Si les salariés du bâtiment de travaux publics sont exposés au risque de chutes de hauteur, en fait, ces chutes se produisent dans tous les corps de métiers et industries. Parfois avec de faibles hauteurs, mais dont la gravité peut être importante. On chute en tout lieu, en toutes circonstances. On chute d'échelle, de charpente, d'échafaudage, de toit, d'arbres, même de camions. La profession de couvreur-étancheur a pris en compte depuis plus de 20 ans ce risque, en spécifiant dans les marchés un prix du mètre linéaire de garde-corps de protection contre les chutes de hauteur. Soprema, à Strasbourg, en est un exemple. Sur ce chantier, rien ne s'est fait normalement. On devait poser les bacs avant la date planifiée. De ce fait, je n'ai pas pu organiser la mise en place des protections comme je l'avais prévu. Nous avons dû improviser sur place. Comme on n'avait pas assez de potiers, on les a espacés sur plus de 2 mètres et les filets n'étaient pas assez hauts. Avec Benoît, on posait le 4e bac. Il y a eu une rafale de vent et il a été soulevé. Il a perdu l'équilibre. Il est passé par-dessus le filet. Suite à cet accident, j'ai demandé à l'ensemble de mes conducteurs de travaux de procéder à l'analyse des différents modes opératoires afin de définir, avant le démarrage des travaux, les mesures de prévention adaptées. À partir de là, ils doivent informer le personnel d'exécution des procédés retenus et contrôler leur bonne mise en œuvre. Ceci est de toute façon rendu obligatoire par les PPSPS. Dès réception du dossier, j'étudie le type de protection à utiliser. Au démarrage des travaux, je me charge de la commande et de l'approvisionnement des moyens de protection. Par la suite, je contrôle régulièrement leur mise en œuvre sur le chantier. La sécurité est trop importante pour être négligée. C'est la vie des hommes qui est en jeu. Il faut qu'elle soit acceptée et mise en œuvre par tous. C'est pour qu'à tous les niveaux de l'entreprise, la sécurité soit intégrée, que Soprema a renforcé sa démarche préventive. En premier lieu, notre réflexion s'est basée sur l'analyse des situations à risque, notamment les travaux sur échafaudage, en bordure de rive de toiture et à proximité des trémies. À partir de là, nous avons développé de nouvelles techniques de mise en œuvre, tant sur les matériaux que sur les équipements de travail, en favorisant dans tous les cas la priorité à la protection collective, les filets de sous-face, les protections en rive, etc. La protection collective est à mettre en œuvre en priorité. Des actions de formation permettent aux salariés de s'approprier et de respecter cette démarche. La formation à la sécurité est l'axe prioritaire. Elle est à la base de l'appropriation des savoir-faire à tous les niveaux hiérarchiques, y compris les CDD et les intérimaires. Comme chez Soprema, avec 21 agences travaux, l'animateur sécurité se doit, par un contrôle régulier et une évaluation des situations de travail, d'apprécier la prise en compte des objectifs fixés. En cas de problème, par exemple, retard du montage d'un échafaudage par une entreprise extérieure, il m'appartient d'apprécier les risques sur ce chantier, de prendre les mesures comme arrêter les travaux ou réaliser nous-mêmes une protection. Les chutes de hauteur constituent une des principales causes d'accidents du travail. Cela concerne les chutes d'échafaudage, les chutes d'échelle ou encore les chutes de toiture. Pour l'agence travaux de Soprema Strasbourg, le montant des investissements sécurité, renouvellement du matériel de protection, des équipements individuels, représente 2,5% du chiffre d'affaires, soit 2 millions de francs. Pour Soprema France,
le montant des cotisations accident du travail s'élève à 6,5 millions de francs. Ce type d'entreprise verse tous les ans près de 10% de leur masse salariale sous forme de cotisations pour la réparation de leurs accidents du travail. Une bonne maîtrise des risques professionnels peut entraîner une réduction substantielle de ces charges. Soprema en a compris l'enjeu. Les statistiques en matière d'accidents du travail suite à des chutes de hauteur sont en rapport avec le risque évoqué. Dans notre région, ce sont 240 000 journées qui sont perdues par an suite à des chutes de hauteur. Cela représente 1000 personnes en arrêt pendant un an. Dans le secteur du bâtiment, le coût moyen d'un accident de travail avec arrêt suite à une chute de hauteur s'élève à 16 400 francs. Quant au coût moyen d'un accident avec rente de 10% et plus, il est de 664 000 francs. Ces sommes sont bien sûr répercutées dans les cotisations d'accidents du travail des entreprises. Au niveau financier, la sécurité sociale et la mutuelle compensent au mieux le préjudice subi, notamment en matière d'indemnité journalière, de rente d'invalidité, les frais de soins et, cas le plus grave, le capital d'essai versé. Les cotisations versées à ces deux organismes ne pourront que baisser dans la mesure où le risque baissera. Au niveau personnel, après cicatrisation des blessures, le préjudice physique, lui, ne pourra être totalement rétabli. Une rente versée ne rétablit pas la santé, un capital d'essai ne reconstituera pas la famille. Une santé protégée, une vie sauvée n'ont pas de prix. Des affiches, des films, des publications et d'autres ressources documentaires sont à votre disposition.